Le projet d'établissement hospitalier, principal enjeu de cet atelier de formation, revêt d'une importance capitale aux yeux des pouvoirs publics en général et particulièrement du ministère de la Santé et de la Population. À la lumière des rapports rendus au terme de vos travaux, vous vous êtes exercé à transformer les objectifs généraux fixés dans le projet d'établissement en programme d'action spécifique propre à chacun des buts visés. D'ores et déjà, je me réjouis de ce qu'au terme de ces travaux, vous avez produit un certain nombre de documents qui serviront de base à vos actions futures. Au nombre de ces documents figurent des livrables matérialisés par des plannings opérationnels relatifs à la gouvernance, à la logistique et aux soins médicaux. L'objectif de cet atelier était celui de renforcer les capacités des cadres du CHUB en matière de planification des actions prévues dans le projet d'établissement hospitalier, lequel décline la vision que les pouvoirs publics ont en ce qui concerne le devenir du CHUB pour la période 2019-2023. Arnaud Flancard, l'un des principaux formateurs, en sort satisfait. J'ai pu constater jour après jour qu'il comprenait comment les méthodes fonctionnaient et savait s'en servir. Et donc je suis certain, persuadé, que dès la semaine prochaine, ils vont pouvoir planifier leurs propres projets, planifier leurs actions sur l'ensemble de l'année 2019 de manière assez fine et surtout également travailler en collaboration les uns avec les autres entre les différents services pour pouvoir mener des projets transversaux. Espérons que chacun des participants sera en mesure de s'approprier et mettre en exergue ces documents validés pour l'intérêt de tous.